about now. Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour plus de The Long Dark. Et on avait pas fait grand chose la dernière fois, honnêtement. On a trouvé des loups, on les a défoncés vite fait. On va récupérer leur viande. On a récupéré un peu de métal aussi qu'il faut ramener au camp. Celui-là, on l'avait vu ou pas ? Il nous manque une flèche. C'est celui-là qu'on a vu. Je crois. Je dirais que l'autre loup qui nous manque, il doit être là-bas. Enfin bref. Ce qu'on voulait, c'est ça. Alors, fais voir ça. C'est 2 heures. Après, on a là. 30 minutes. 12 minutes. Vas-y, hop. 30 minutes. Ok, parfait. On a un peu faim. Moins 11. On va faire un feu et on va griller le petit porcelet là. Le petit loup. Griller le petit loup. Oui, je sais. Très bien. Très bien. Ouais, on va faire ça, comme ça on va pouvoir manger, puisqu'elle commence à avoir grave les crocs. Vous avez compris, les crocs, on a tué un loup. Donc voilà, on va faire ça. Par contre, j'ai peur qu'elle le... Voilà, pas assez chaud. Voilà, c'est bon là. Yes, c'est bon. 47 minutes. On va pas. On va pas tenter le diable non plus. J'ai peur de perdre mon buff. Ça me ferait vraiment chier de perdre le buff. Voilà, 40 minutes. Voilà, très bien. Encore 20 minutes. 9 ici. Les corbeaux là-bas, ceux-là sont partis. Je sais pas pourquoi ils partent. Je sais pas s'il y a une raison. C'est parce qu'on a fait un feu ou c'est parce qu'on a commencé à taper dans la carcasse? Ça, je voudrais bien savoir. Couper l'autre. Vite fait. Et il nous en manque toujours un. Enfin, après, de ce côté, on peut pas aller très loin. Donc ça m'étonnerait. Je sais pas. Peut-être qu'on le découvrira plus loin. J'en sais rien. Ça va, on peut encore faire. Là, il a pas grand chose sur lui. Je vois rien. Ah, brouillard qui se lève.
Ah, c'est bien parce qu'on a moins en moins froid, c'est cool. Eh ouais. Ce qui est marrant, c'est que ils vont être attirés par l'odeur de la barbac. Mais ils ont peur automatiquement, donc honnêtement, on est super tranquille. On risque strictement rien. À moins que ça soit un loup normal. Là, ça, c'est autre chose. Vas-y, si tu viens comme ça. Évidemment que non. 3 minutes. Non, on va pas remettre du feu. Par contre, faire ça. Mais on va pas le mettre à côté du feu encore. Là, on a quoi? On a l'LD. On a des boyaux. On va se balader un peu vite fait. Oh, un peu plus haut que ce que j'avais prévu. Corbeau, corbeau. Corbeau. Bah merde, je vois rien du tout. Là. Yes, j'avais bien dit. Parfait, on a récupéré la flèche. Ouais, flèche simple. J'avais bien dit que c'était de ce côté, j'en étais sûr. Parce qu'on a vu un qui partait donc de ce côté du coup, oui. Et après, c'était l'autre côté. Voilà, j'en étais sûr. Ok, ça va, parfait. Parfait de chez... Par lui, putain, il était vraiment camouflé. Hein. Il était vraiment camouflé. Bien, on prend ça aussi. Les corbeaux, restez là parce que sinon je vais vous perdre. Du coup, si on a du brouillard, ça me... Ah, je sais pas. Brouillard, ça veut dire quoi? Que le... Il y a une tempête qui arrive ou pas? Je suis pas trop sûr. Pour le moment, ça va. Par contre, vous avez vu, quand il y a le brouillard, on voit rien. Même les corbeaux, en fait, sont tellement hauts dans le ciel que le brouillard, en fait, il est avant eux. Du coup, on voit rien. C'est un peu abusé. Ok, ça c'est bien. Très bien. Il y a ça. Pam pam. Ça nous fait 3 steaks. Faudrait qu'on mange quand même un peu. Voire même un deuxième. Surrounded by snow and nothing to drink. Parfait. Parfait, on a encore une heure. On met quoi là, 2. Ça c'est chaud. Ah, la tête qu'il a avec les yeux jaunes et tout quoi. Ok, parfait. On est bien là. Par contre, on a fait tellement de vadrouilles qu'on a perdu quand même beaucoup de vie. Hein. Là, il va nous falloir plusieurs jours avant de tout récupérer. Fallait monter à droite, je crois. Il va nous falloir quand même plusieurs nuits pour tout récupérer. Et au moins dormir à chaque fois 10 heures, si vous vous rappelez. Hein. Faut dormir longtemps pour qu'on ait un gros bonus de pas d'expérience, de vie.
Plus les corbeaux sont partis, c'est bien. 18 minutes. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer ici? J'entends l'eau. On se casse. Qu'est-ce qu'on prend? On prend les boyaux. Ça fait 30 minutes. Ça fait combien de temps? C'est 1h30, d'accord. Parce que ce qui est bien, encore une fois, je le répète, hein, là on est tranquille, hein, on va pouvoir rentrer... Genre avec full boyau, on va genre puer la barbaque à des kilomètres. Mais on s'en fout complètement. Condition que ça soit des loups gris. Évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'en profiter un peu. Qu'on rentre bien chargé, quoi. Et pas d'alcool. je suis comique, comique. Col du rire. Yes. Non, pas l'eau. Ça. T'as nous faire combien? 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça nous fera 12 kilos en plus. Waouh, la vache. Ça va faire lourd. Ouais, enfin, après, on a beaucoup de bois, donc le bois, on peut le jarter. Ça, c'est pas un problème, vraiment. C'est pas vraiment un problème. Donc, quoi, on a 1 kilo là, 5 kilos là. Oh, ça va, en fait. Ouais, non, ça va. On va pouvoir tout prendre en une fois, j'ai envie de dire. Ah, faut que je regarde le feu. Faut pas qu'il s'éteigne. Là, 1h20, ça va. Ça, on prend. On va rentrer ça. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, là. Je suis content. On a perdu aucune flèche. On a récupéré plus d'une dizaine de kilos de barbac. Là, c'est potentiellement bingo loto, quoi. Ça va. Ça veut strictement rien dire. Arrête de claquer des dents. Mon dieu. Il y a encore un loup qui... Le loup qui est en train de rechercher sa meute. Mais allez, ils sont où? Ils sont où les gens? Ils sont découpés en morceaux. C'est con. Hein. Qu'est-ce que je te dise, hein? La loi de la nature. Oh, bouge pas, bouge pas! Vas-y, viens, 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 viens. Oh, lol. Je crois qu'encore une fois, hein, le coup des flèches brisées, je suis sûr que ça fait un critique à 100%. Je suis sûr que ça fait un critique à 100%. Il y a trop de fois ça arrive, ça. Qu'à chaque fois qu'on casse une flèche sur un animal, ça tue. Ah oui, mais du coup, je l'ai pas ramassé, puis merde. Ouais. Je suis quasiment 99% certain de ça. Parce que c'est pas...
C'est un peu trop à chaque fois. Parce que là, on a vu qu'on a combattu la meute, on a mis deux flèches et sur deux loups différents. Ils sont pas morts directement, donc voilà. Mais à chaque fois que c'est la flèche casse, il y a toujours un mort. Il y a toujours un mort. Donc, pour moi, un plus 1. Hein. Ça fait 7! Désolé. On va regarder l'état du feu. 1 heure. J'ai envie de dire, on pourrait faire un... Enfin, que le feu, là... Enfin, de toute façon, on a commencé un feu, là. C'est juste à côté de la baraque, donc c'est pas grave. Puis le feu, là, il est très chaud, celui-là de derrière. Donc, on n'a pas besoin de le bouger. Parce que je pourrais le bouger... Genre à l'abri du vent. Genre là, pour être bien, je sais pas, quelque part par là. C'est vrai qu'avoir du feu, ça me permettrait de casser ça. Putain, 12. C'est cool. Mais bon, bref, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, c'est pas grave. Ça nous fait sprinter, ça nous fatigue. Comme ça, on va pouvoir faire une belle sieste. 8 minutes, très bien. J'ai envie de le déplacer, le feu, quand même. C'est vrai que... J'en sais rien. J'aurais peut-être dû mettre un bâton, pas deux. Comme ça, on serait un peu plus à l'abri. J'ai envie de le déplacer. S'il fait pas très froid... 8, pas beaucoup. Après, pour le déplacer pour pas grand chose, quand même. Mais ouais, mais si on a du feu, je voudrais potentiellement le garder, le faire durer pour récupérer, pour pouvoir casser en fait toutes les palettes. Ouais, ça serait vraiment cool si on peut faire ça. Et on va voir, on va voir. On va voir comment ça se passe. Pour le moment, tout va bien. On touche du bois. J'espère que mon bureau il est pas en plastique. Sinon c'est con. Minutes. Qu'est-ce que t'as encore à donner toi? Donc, 39 minutes encore. Oui, c'est vrai que sur The Long Dark, on ne connaît pas vraiment les mathématiques. Attends, on va le mettre où? C'est ça la question. Alors là, c'est pas mal en fait. Ils connaissent pas vraiment les mathématiques, hein. On a 50 minutes de feu, 40 minutes pour cuire, on cuit rapidement, il reste encore 30 minutes, bon. Hein, oui, comme vous voulez, hein. Au bout d'un moment, hein, c'est vous qui avez fait le jeu, hein. C'est comme vous voulez. Je vais pas vraiment aller à l'encontre de ce que vous me dites. J'ai envie de dire, un moment, faites un peu ce que vous voulez. On va prendre ça. Tant qu'on y est. Très bien. Oh mon dieu. Ah, vous voyez, on a bien fait quand même. Hein. Enfin, là on a. Ouais, non, mais là on a le loup là en plus sur le dos. C'est vrai que ça fait beaucoup.
This pack is getting too heavy to carry. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça soit un peu lourd. Ça fait beaucoup, hein. Il doit plus en récolter. Prêt dans 9 minutes. Ah, là ça. Pas que le feu s'éteigne là-bas, parce que j'ai pas trop fait attention. Ça là, juste au cas où si on doit faire de l'eau, on va manger ça. Un, deux, trois, quatre. Très bien, et là on a... Putain, on en a combien? 17 kilos à prendre. Oh la vache. Ah ouais, chaud. On est allé là. Ici. On n'est pas allé là. Encore heureux qu'il n'y a pas trop d'inertie. Enfin, il n'y a pas d'inertie vraiment dans le personnage. Genre, parce que là, on est un peu en pente. Et il y a le feu après. Donc, genre, elle tombe et tout, elle trébuche, elle continue un peu. Tombe dans le feu, ce sera un peu con. Ce sera un tout petit peu bête. Bonjour. Il n'est jamais venu là. Oh ! Planque de l'électricien. Wow. T'appelles ça une planque ? Moi j'appelle ça rien du tout. Juste une grotte, ouais. Que dalle. Foutage de gueule, mec. Waouh. Ça doit être en contrebas, en fait. Ça doit être en contrebas. Il y a aussi ça. C'est vrai que ça, à chaque fois, je fais attention pour pas qu'on soit genre contre un mur pour dessiner. Mais dans le jeu, techniquement, en fait, il s'en fout des murs. Techniquement, ce qui va changer le radius, en fait, du dessin, c'est la hauteur. C'est strictement ça. Donc là, on a dessiné en fait le mur, genre derrière ce qu'il y avait derrière. Alors que bon, on n'est pas censé voir ça, on est d'accord. Hein. Moins qu'on soit omniscient, je vois pas trop quoi. On va t'appeler Philippe. Philippe Leloup, ça va ? T'aimes bien? T'es en paix avec nous? Il y avait tes potes, mais bon, ils sont un peu éparpillés. Il y en a un là-bas, enfin deux là-bas, un là-bas, hein. Ils ont pas... Ouais. Ils sont pas très très agréables, hein, Philippe, quand même. Tes potes. Je trouve bof bof. Je suis pas très fan, j'ai envie de dire. Je suis pas très très fan. Je suis un peu déçu. Ah, j'ai même... Ouais, j'ai même bien envie de dire déçu, peut-être un peu. Un peu déçu, quand même. J'aurais bien voulu qu'ils viennent,
genre à la fête, mais au final, hein, ils sont... Je dois dire qu'ils sont pas top hein, pour ça, ils sont pas vraiment... C'est pas un bon public. Ah oui, on a du charbon. C'est pas un très bon public, hein, tes copains. Ah oui, et aussi, il faudrait une catégorie. Je viens juste d'y penser maintenant, jamais y penser. J'y ai jamais pensé avant. Il faudrait une catégorie, genre nouveau objet, dans le sac. Genre, juste les objets qu'on vient de trouver, par exemple, ou qu'on vient de ramasser. Genre, ça serait bien pour déplacer les objets. Ça serait vraiment cool. Par exemple, comme ce que j'ai fait là, j'ai déplacé la viande, tout simplement. Et ben, du coup, j'ai récupéré genre 5 morceaux de viande. Et en première ligne, ben, c'est les 5 morceaux de viande. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être pas mal, ça. Ça pourrait être pas mal. Ce système. Alors après, bon, la viande, c'est un peu un exemple bête, parce qu'on a un bouton, hein, on a une touche raccourcie pour... genre pour les appâts, donc du coup, elle va déposer la viande. Mais pour autre chose, hein, genre, si on veut déplacer les choses, ça serait cool. Ça serait vraiment sympa. D'utiliser ça. Plein de petites idées, hein, comme ça, hein. Faut m'embaucher hein, dans leur chef de projet ou je sais pas quoi, genre adjoint au chef de projet, moi je veux bien. Hein. Le coup de pouvoir balancer le sac et tout ça, moi je te le rajoute. Hein. Attends, j'ai pas de viande sur moi, mais c'est ce que je vois pas du tout. Comme ça. T'inquiète pas que le jeu, moi je t'en fais un Call of Duty après. Non, je déconne. Non mais... Non mais on peut rajouter plein de choses. Après on pourra faire fondre le métal et genre faire un AK et tout. AK-47, full auto sur les loups. Puis après dynamite avec les lapins. Enfin, des trucs comme ça honnêtement. On prend un lapin, on lui met un bâton de dynamite. Je sais pas ce que ça fait. Ça fait boum, j'en sais rien. Ah oui, ça fait un appât. Un appât lapin avec une bombe à l'intérieur. Genre tu balances ça au loup, ils vont dire « Ah putain, un lapin, on va se jeter dessus !» Et bam, ça leur explose à la gueule. Eh, pas mal cette idée, non? Qu'est-ce que j'en pensais? Moi je la trouve pas mal cette idée. La pêche, pareil. La pêche. Enfin la pêche c'est chaud quand même, parce que vu qu'il y a la glace et tout ça, ouais c'est un peu... Quoique, tu balances donc une bombe que t'as fait là, et tu fais des trous. Genre, comment ça s'appelle? Les machins là. Les pétaradeurs, ça, déjà c'est un nom à la con, mais ça par exemple, on le place dans la glace, on creuse un peu, on place dans la glace et pam, ça pète, ça fait un trou et après tu peux pêcher, tranquille. Ce serait bien. Hein. Et puis ce trou là, genre peut-être pas qu'il reste indéfiniment parce que sinon ça, enfin quoi que, si, il pourrait faire indéfiniment comme les. Comme les feux de camp en fait. Les chutes. Comme les feux de camp en fait, il pourrait. Dans 1h50, 40 minutes. 1h50, 40 minutes. Ouais, mais là je suis trop loin du feu. Ouais, je crois que ça va être chaud de. Parce que je vais griller la viande en fait. La viande elle brûle au bout de 40 minutes, je crois. Ça ferait un peu plus d'une heure. Ouais, non, je vais quand même pas tenter. Non, ça va être trop chaud. Ça va être trop trop chaud. Did I say I hate being cold? Because I really do. Faut aller récupérer un peu plus de bois encore. Oh là là, c'est chiant. 37 minutes. Parce que je voudrais au moins faire plus de 2 heures. Casser les planches derrière, ça nous fait des bois. Ça nous fait des bois. Comment ça s'appelle? Des bois de... Merde, j'ai oublié. Ah, vous voyez les trucs de maison, quoi. Du coup, comme ça, on les met tous à la planque. Voilà,
froid déjà. Ah, il commence à faire un peu plus froid. Comme ça, on les met tout ça dans la boîte là. On va rentrer. Enfin, on va se réchauffer vite parce que j'ai pas envie qu'on perde plus de HP que ça. Comme ça, ça nous fait une bonne réserve de feu ici, de bois. Ce serait cool. On a rien à faire, je crois. Ah si, j'ai rien dit, on a ça. Six minutes, elle a un peu faim. On va garder les deux sur nous. L'eau, on peut pas le faire. C'est con, si on avait un fait-tout. Ah, on pourrait faire de l'eau, là. Et c'est, ça dure plus d'une heure, puis après, elle peut bouillir, enfin, elle peut s'évaporer au bout d'une heure et tout. Donc là, on pourrait faire de l'eau, en fait. Sans problème, pendant qu'on casse le reste, là. Mais c'est chiant. Ouais, non, il n'y a rien à faire. Ouh, le vent se lève. 3 heures. On a le feu, ouais. Attends. D'abord faire ça. Là, faire de l'eau hein, aussi. Deux heures. Et hop, il reste encore 2h25 de feu. Mais oui, mais évidemment, Jamy. C'est comme ça que ça fonctionne, les mathématiques, Jamy. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. On va peut-être pas rajouter. Du coup, on va en profiter pour faire un peu d'eau avant que je retape encore du bois parce que je sens que le vent arrive. Puis elle est fatiguée. C'est pas sorcier. Qui regardait C'est pas sorcier quand... Quand vous étiez jeune. Hein? 2 litres, c'est bien. Elle est méga fatiguée. Là, on va pouvoir dormir 7 siècles. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Là, on a chaud. Attends, le feu. 1h50. Bah c'est juste pour être sûr, hein, on n'a vraiment pas besoin parce que comme d'habitude les maths à 2h30. Ah c'est chaud 2h30. Ah mais elle va tomber dans les pommes là. Ah non je peux pas en fait. Mais je peux pas en fait. Non, on va juste faire de l'eau. Putain, c'est chiant ça. Enfin, moi je dirais pourquoi pas, let's go, hein, mais bon, hein, si elle tombe dans les pommes, ça risque d'être. Je sais pas si on peut tomber vraiment dans les pommes. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'étourdissement comme ça. On a du bois encore sur nous. C'est tellement, ça fait des années en fait. Je sais même plus exactement ce qui se passe quand elle est vraiment à bout de souffle. Genre, elle s'évanouit, je crois. Et du coup, je crois qu'elle dort sur place, du coup. Ou elle s'évanouit en fait, en gros, ce qui est logique. Hein. Mais je crois que c'est comme ça que ça se passe. Donc si jamais, le risque c'est, si jamais on est à l'extérieur, bah du coup, bah oui, ça va mal finir. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ce qui se passe. Mais si on s'évanouit en intérieur, ça va, du coup, je crois. Bon, on va dormir 10 heures. C'est parti. Parfait.
10 heures, c'est la limite. Je crois qu'elle a au bout de 9h30, un truc comme ça, elle commence à avoir soif. Je crois, si on est plein. Genre là, on n'a rien perdu. Ouais, je crois que c'est 9h quelque chose. Où elle commence à avoir froid. Soif, pardon. Bon, maintenant, on va faire donc retour à notre camp. Bon, par contre, on est légèrement lourd. Genre, j'aurais pas dû prendre la scie. Il y a plein de trucs que j'aurais pas dû prendre, en fait. C'est vrai que j'ai été un peu con. Parce qu'on est déjà à 40 kilos. Il y a au moins 20 kilos, enfin, un peu 15 kilos de barbac à prendre. Il y a l'eau que je peux jeter à la limite. On a de l'eau là aussi. Il n'y a rien d'autre à prendre ici. Après, ah oui, ce qu'on peut faire, c'est scier des trucs en métal comme ça. Mais bon, honnêtement, j'aime pas trop scier les choses en métal parce que, bah du coup... Voilà, ce boîtier de communication. Enfin, j'aime bien en fait quand ça s'allume la nuit, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt cool. Donc si on commence à casser les choses, c'est bête. Mais bon. Alors ça, à la limite. Ah mais elle peut encore dormir. J'avais pas vu. Elle est même pas reposée à fond. Oh la vache. Première fois que je vois ça. Alors fais voir s'il fait froid. Pas trop. Bon, il y a du charbon. Par contre, on va l'enlever parce que là, c'est un peu trop. Alors, fais voir ce qu'on fait. Après, on n'est pas obligé de tout prendre non plus. 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 3, 4, 5. Je vais être honnête. Ça m'a l'air pas mal. On laisse 5 viandes ici. Et on y va. Déjà, on va devoir bouffer. Donc au final, on prend pas tout. J'ai l'impression que les loups gris donnent pas énormément, en fait. Maintenant que j'y pense. Enfin, quoique... Non, si, c'est normal, 5 kilos de viande par loup, ça va, c'est potable. Oh merde, on a une tempête. J'en étais sûr. Elle est mauvaise, la tempête, ou ça va? Mauvaise. Bon, ça on prend avec nous. Ah merde. Attends, je crois qu'il y a un bout de viande que j'ai pas... Ouais, 0,32. Sympa comme ça. Ça, on prendra tout ça. Fait chier la tempête à la con là. Juste maintenant. Enfin, après, elle est pas reposée au max, donc on peut à la limite dormir encore un peu.
Il y a de la chance, ça part. La tempête, mais bon. Voilà, bien. On n'est jamais chanceux. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire Du raccommodage. 80, 82, 79. Quand qu'on passe au niveau max aussi de ça. Ah oh bah fuf, alors c'est pas demain. Jamais il fait beau temps pendant la nuit, je crois qu'on sort pendant la nuit. Parce que j'ai peur que si on attend trop, on ait les loups qui reviennent. Ce qui paraît très logique. Je vais l'allumer parce que faut pas exagérer non plus. Voilà. Je voulais l'éclairer, vous savez, juste avec l'éclat de voir où on est, mais je vais pas le faire 150 fois, on va. Bon, ça va être chiant. Bon, allez, on y va. Désolé, il fait pas très. Pas très jour, mais c'est pas très loin. Mais j'ai pas envie d'attendre non plus. C'est ça en fait, surtout, c'est que j'ai peur de. Du coup. Où les loups gris deviennent re-agressifs en fait. C'est quoi ça, c'est un cerf? Les cerfs, il nous faut ça. Tu veux pas nous suivre? Hein? Tu veux pas nous suivre, honnêtement? Parce que ça serait vachement bien. Nous suivre. Faut qu'on aille récupérer la peau des cerfs et la peau de l'ours aussi qu'on avait. Est-ce qu'on a tué un élan? On n'a jamais tué d'élan ici encore. On en a vu un, par contre. Mais on l'a vu une fois en fait. Après on a voulu se replacer tout ça pour le chasser, mais on l'a jamais recroisé. Pénitencier. Ouais. Je crois qu'on peut passer par là, je me rappelle plus. Il fait froid. J'essaye de sprinter le plus possible, comme ça elle se fatigue. Parce qu'on va arriver, il sera même pas minuit. En fait, parce que là on est en début de nuit. Ce sera même pas minuit, mais on va pas arriver avant d'avoir froid. Par contre. Merde, c'est où? Pénitencier là-bas. Du coup, faudrait pouvoir dormir pour récupérer le plus de vie possible. Par contre, on est d'accord? Oui, j'ai eu un doute sur un coup. Toujours un doute, toujours. Fingers feel numb.
Après, je suis en train de me dire, je crois qu'on est immunisé contre les loups gris partout. Je pense. Peut-être pas dans les autres zones, je sais pas si ça marche. Hein. Mais je pense que dans toute la zone, en tout cas, on est immunisé contre les loups gris pendant le moment quand on en a tué un groupe. Là aussi, on a des... Là, je vois des barbes à papa, là. Barbe à Jupiter. Je me demande si on pourrait pas aller explorer de ce côté aussi. Peut-être. J'essaye de rester sur la route le plus possible aussi, parce que comme ça on court plus vite. On marche, court plus vite. Ça, c'est bien qu'on ait une différence. Faudrait pouvoir déblayer... Non, ça servira à rien. Ça servira à rien, parce qu'il neige toutes les 30 secondes. Ce serait débile. Il y a tellement plein de petites choses qu'on pourrait faire, quand même. Et en plus, on pourrait genre rajouter des skills par rapport à ça. Donc ça nous ferait plein de choses à augmenter. Parce que comme j'ai dit, hein, nous, on est maxé hein, sur un peu tout ce qu'on a. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est... Enfin, la seule chose qui nous manque actuellement, c'est vraiment le raccommodage. Après, tout ce qui est munitions, nous, on s'en fout, on n'a pas d'armes. Mais c'est le raccommodage. C'est vraiment que ça, quoi. Après, je me demande si ça vaut le coup de retourner dans les anciennes zones. Je me demande vraiment si ça vaut le coup. Je crois que je t'avais pris, toi. Six. J'entends du bruit. Putain, il m'a fait peur. Putain, il y a le loup qui est revenu ici, qui est revenu déjà. Un butin? Perds pas de temps, toi. Est-ce qu'on peut dormir? On peut pas dormir ici, en plus. J'ai envie de vérifier s'il peut aller là-bas. Enfin, lui, il est relou, quand même. Merde, j'ai plus de nourriture sur moi. Oh mais il a eu peur. J'ai pas de nourriture sur moi. Bon, c'est pas grave. On va, je crois, s'arrêter là. Et on est quoi ? On va s'arrêter là, parce que je commence à prendre l'habitude de faire des gros épisodes, et après, des fois, la plupart du temps, je dois les couper et tout ça. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc on va s'arrêter là. On a récupéré plein de métal, par contre, ça c'est bien. Faudra... Ouais, la prochaine fois, on ira donc tuer le loup là qui est revenu apparemment. C'est le truc qui revient super vite. Je vois quasiment rien, vous inquiétez pas, moi aussi. Voilà, on a notre sac de couchage, c'est tout ce qui importe. Voilà, très bien. On va s'arrêter là. On a ça, on fera des bombes. Nos calories sont très bonnes. C'est bon. Donc ouais, la prochaine fois, on va faire le loup. Je vais être honnête, je pense qu'on commence à toucher à la fin de la zone. On doit être à l'épisode 20, un truc comme ça. Je crois qu'on commence à toucher à la fin. Là, on peut pas y aller. Après, on a eu des grottes et tout ça. Là, on peut pas y aller, si je dis pas de bêtises non plus. Là, on a fait cet endroit, il y avait des serres et tout ça.
Creek. Peut-être là, à la limite, ça. Je suis pas trop sûr. Là aussi, je crois que c'est des montagnes. Il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'on est arrivé à la fin de la saison, j'ai envie de dire. Parce que la saison, en gros, elle est dédiée à cette zone-là. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Comme j'ai dit, on va peut-être aller récupérer à la limite les pots là, qu'on a mis quelque part. Je crois que c'était là, ouais. Les pots, genre d'ours, de cerf, des trucs comme ça pour aller rafistoler en fait nos vêtements. Mais à part ça, je crois qu'on a tout fait. Je vais être honnête. J'ai pas envie de tourner en rond non plus et faire des épisodes juste pour faire des épisodes, ça va être con. Parce que même moi, au bout d'un moment, je vais me lasser. Si on n'a rien à découvrir. Les flèches, on peut refaire toutes les flèches. À la limite, on peut se remettre à fond, genre faire les flèches. Et trucs comme ça, en fait, à la limite, j'ai envie de dire. Faire des bombes. Vous voyez ce que je veux dire? Se préparer pour une nouvelle aventure, en fait. Parce qu'on aura d'autres zones. Hein. On aura encore d'autres zones. Parce qu'il reste encore l'épisode 5 à faire. Donc il va sûrement avoir une autre zone en plus. Je suis pas sûr où elle va être la zone. Non, on a Blackrock ici. Il y a peut-être ça ici. J'ai pas fait l'épisode de Blackrock, en fait, le quatrième. Donc du coup, je sais pas où est-ce si on va quelque part ou quoi que ce soit. Mais ouais, là, je dirais une nouvelle zone ici, ça peut être pas mal. Après, ils peuvent même mettre des petites zones comme ça pour lier. Genre là, peut-être aussi à droite. Mais moi, je pense là, une grande zone, ce serait bien. Moi, je voudrais bien. Sur là, on a une prison, c'est plutôt cool. Après, la prison, elle est petite, hein. Il y a très peu d'endroits où on peut aller. J'ai été un peu déçu. J'aimais bien en fait qu'on l'a explorée, mais j'aurais préféré qu'elle soit encore un peu plus grande, tout petit peu plus grande. Bon, après, le coup de la mine avec le gaz et tout, c'était cool. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Mais moi, je voudrais bien une base militaire secrète, genre. Ce serait cool. Ouais, une base militaire secrète et tout, là, en plein milieu, ça serait sympa. Mais ouais, bon, on va s'arrêter là. C'était bien comme épisode. On a ramené plein de bouffe. Donc je suis très content. Je suis très très content. On est au jour 288. Donc c'est bien. On était apparu où? Site de désolation. On a fait que courir. Phare isolé. Ah, on a fait le Riken aussi, je me rappelle. Après on est arrivé à l'autoroute côtière. L'autoroute côtière. Ah, on n'est pas resté longtemps. Ouais, quelques jours, puis après on est allé au barrage, au lac Mystère. Lac Mystère, on est resté longtemps, ouais. Après on est allé. Ouais, on est allé faire d'autres trucs. Milton. Milton, ça nous a pris un long moment. Le mont Timberwolf, ça nous a pris un très long moment aussi. Canyon des Cendres, qui était nouveau. Et après, Black Rock. Ouais, c'était cool. En tout cas, ouais, c'est parti, dormir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Faites attention à vous, à la prochaine. Portez-vous bien. On a un lit. Non, on n'a pas de lit nulle part. C'est con à chaque fois d'utiliser le sac de couchage. C'est pas grave.